ce contre quoi on en a, c'est que M. Coderre n'a jamais fait un programme dans lequel il indiquait où il voulait aller, dans lequel il indiquait, exprimait sa vision sur la centralisation. Ici, vous avez des maires, des mairesses, qui ont mis leur nom, qui ont mis leur visage sur une affiche électorale et qui ont dit à leur population qu'ils voulaient rejoindre Montréal, qui ont enjoint la population à rejoindre Montréal en leur disant « ça va être bon pour vous parce qu'on a une promesse de toute manière que nous allons garder nos pouvoirs ». M. Coderre a réussi à réunir les anciennes villes liées et les quartiers centraux dans une même cause, chose qui n'était pas arrivée jusqu'à présent, par une attitude de secret, par une attitude de rejet de la démocratie, par une attitude de rejet du dialogue. Pour chacune de ces centralisations-là, on reçoit un GDD avec des mots-clés, avec des phrases simples, puis on est supposé d'y croire, puis c'est tout. On apprend que Québec va lui donner le pouvoir de rendre ça permanent, c'est-à-dire qu'après 2 ans, ça peut être reconduit, que toutes les centralisations qui ont été faites n'auront pas besoin d'être votées après 2 ans avec une majorité, avec les 2/3. Il va suffire d'une majorité absolue pour que ça soit reconduit en bloc. Parce que moi, là, comme disait tantôt Luc Ferrandez, moi j'ai mis ma face sur le poteau pour dire à mes citoyens, non, 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 pour rester avec Montréal, on a beaucoup d'avantages, mais on a un contrôle, on a une entente écrite avec Québec et Montréal, que les limites des arrondissements ne sont pas touchées, les pouvoirs, la gouvernance des arrondissements ne sera jamais touchée. Et là, depuis 2013, c'est un morceau après l'autre qui part. Ils sont vraiment écœurés, et puis ça dépend pas de moi, là. Moi, quand j'ai été élu, j'étais là de bonne foi, puis j'étais prêt à travailler avec ce qu'on avait sur la table au niveau des compétences. Mais beaucoup de citoyens me disent, pourquoi on est avec Montréal? Alors, c'est sûr que en semant cette sorte de discorde, en surcentralisant les services à Montréal, bien, on attire ce qui se passe chez vous, ou à la salle et chez nous. C'est que les gens commencent à dire « wow, c'est assez ». Vous parlez tous des travaux qui perdurent puis qui perdurent. Bien, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Si c'est sûr que si ce sont des gens dans leur tour d'ivoire, dans des bureaux, puis je ne dis pas ça de façon méprisante ou redescendante, qui prennent des décisions pour un arrondissement lointain comme à l'Île-Bizarre ou à La Salle, sur le temps que ça devrait durer et tout. Ils n'ont pas de contact avec les citoyens, ils ne sont pas imputables. Donc, en nous enlevant l'imputabilité, bien, c'est normal que ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de pouvoir politique, c'est une question d'être capable de répondre aux besoins de nos citoyens. Demander à nos citoyens ce qu'ils pensent du fait qu'on n'est plus capable de répondre à leurs besoins, bien, c'est la flexibilité, notre capacité de répondre. C'est un éloignement de la politique vers la population et ça va à l'encontre de tous les principes même qu'on met à l'avant partout dans le monde actuellement, c'est-à-dire de se rapprocher de la population pour mieux répondre à ses besoins. Lorsqu'on a mis des services de proximité, on a rapproché le service, on est devenu meilleur, on a innové, on a optimisé notre capacité de répondre aux besoins réels de la population. Tout ça, là, ça n'a aucun rapport avec le pouvoir de Louis Miranda, de Manon Barbe, de François Croteau, parce qu'il y a d'autres maires qui vont venir après nous ou avant nous. C'est une question d'être capable de répondre réellement aux besoins de la population. Et en ce moment, Denis Coderre, le seul besoin qu'il veut répondre, c'est les siens. C'est-à-dire, Denis Coderre ne travaille pas pour les Montréalais. Il travaille uniquement pour ses propres pouvoirs, pour être le seul maître à bord, parce qu'il est incapable de faire face à des besoins divergents ou des opinions divergentes à la sienne. Ce qu'on demande à M. Coderre, c'est de faire preuve de respect par rapport aux ententes qui avaient été signées, par rapport à l'élection de 2003 qui portait sur la centralisation, de transparence, de dialogue, toute chose qu'il dit avoir et qu'il ne fait jamais.